Bonjour YouTube, c'est parce qu'il y avait une pub. Ok. Alors ma distance, c'est bon, moi j'ai ce qu'il me faut. Et en mêlée, je dash. Ah, il y a une pub de mort. Mais... Alors, région. Nous sommes où? Au marché de Bowerstone. Ok. 3 gargouilles sur 4. Pour avoir un bon angle. Lorsque vous entrez à Bowerstone, ça doit être lui. Gargouille. Votre gargouille. Hein. Lorsque vous rentrez à Bowerstone en provenant du lac, tournez à droite, montez les escaliers au bout du mini-tunnel et vous trouverez la gargouille au bout de la muraille. Lorsque vous entrez à Bowerstone, il y a une diligence sur la gauche. Il faut réussir à se passer pour la détruire précédemment. Et éloignez-vous le plus possible de l'ouverture pour avoir un bon angle. Ah bah juste là. Et voilà. J'ai bien vu le coffre. Vieux quartier de Bowerstone. Mal. Il m'emmène où? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'est payant. J'ai mon moyen d'y aller. Ça va mal, j'ai bien peur. D'autres gens. Je m'en occuperai. Allez, salut. Ah bah, j'ai dit je m'en occuperai, c'est bon. Ouais, je passe la quête de DLC, mais j'aimerais bien acheter les DLC. Je sais pas si j'achèterai en vrai. Parce qu'il y a les DLC de Fable 3 qui ont l'air d'être hyper intéressants aussi, donc je sais pas. Je verrai. Je verrai. On va au vieux quartier pour aller chercher une gargouille de plus aussi. Alors lorsque vous arrivez de par la route, levez les yeux à gauche, ok, près de la petite place où vous devez poser votre roue. Et allez sur une réponse, rentrez, montez, retournez-vous, je serai juste au-dessus de vous. Okay. Lorsque vous arrivez par la route de Walkridge, le coude de Goatridge, c'est tout droit, ici, puis droite. Je me rappelle un petit peu du chemin, je fus expert là-dedans. Ok. Mais là, chez moi, la grappe est gueulée comme des tarés tout le temps. Ok, par là. Les yeux à gauche, on voit une gargouille sur une sorte de tour en bois. Oula! Ah oui, c'est Rockwise ici. Pardon, mais je voulais creuser, c'est bon. Levez les yeux à gauche et vous verrez la garrue sur une sorte de tour en bois, café volcanique. Ça c'est la gauche. Ça c'est des tours en bois. Mais non, je vois pas grand chose. Putain, est-ce que je peux chercher ma garouille tranquille? Lorsque vous arrivez pas, levez les yeux à gauche. C'est peut-être pas si près, je sais pas. Déjà, confirmons. Ouais, ça manque bien une gargouille et une clé. Les clés, on verra plus tard. Est-ce qu'il faut que je me rapproche? Je l'ai entendu. Ah bah elle est là, la tour en bois. Ouais, elle est là.
Et elle est pétée. Près de la petite place. Où dans votre enfance vous avez machin boîte à musique. Ok, petite place, machin, boîte à musique, c'est pas là. On va y retourner. Arrêtez de gueuler. Arrêtez de gueuler. Ok, la petite place, elle est là. Ok. Partez de cette petite place, allez dans la ruelle. Première maison à votre gauche, rentrez, montez les escaliers, retournez-vous. Première maison. Interagissez avec le panneau extérieur et choisissez le mode redécorer. Par contre, il y a un coffre. Partez de cette petite place et allez vers là, dans la ruelle. Première maison à votre gauche, remontez les escaliers, retournez-vous, elle sera là. Ah! Ok. Tout ça pour 100 pièces d'or. Ça vaut même pas de coup de voler pour ça. Ce n'est pas ici la première maison à gauche. Ou sinon, ruelle, première maison à gauche. Ça serait celle-ci? Peut-être. Ok, de toute façon, c'est quoi après? Partez de cette petite place, allez dans la ruelle, première maison à votre gauche. Ah! Ok, toi pour moi. Allez là où vous avez posé la boîte de musique. Donc celle là-bas. Ok, tu poses la boîte à musique. Ok, c'est bien. Première maison à gauche. C'est celle-là. Oh, c'est beaucoup trop près. Ah, il y a un truc derrière. Ah bah. Sur cela. Nice. Il y en a tellement au cimetière de Warzone. Il y en a tellement à Wokwide. Que je vais aller faire cela. Ceux de Westcliff. On les a jamais fait. Et j'en ai pété 0. 2 sur 5 quand même. On va aller au camp. Le chemin qui descend vers la plage. La garue se trouve sur la falaise à 2-3 têtes de plus que vous. Ok. Hop. Bot. J'ai pas tout acheté ici, faudra me dire. Faudra me dire ce qu'il manque à acheter. Alors, plage. Deux, trois têtes de moi. Ici. En direction de l'arène, lorsque vous passez à côté de la pierre taillée, la garou se trouve sur une porte en pierre, juste à côté d'un trésor. Lorsque vous passez à côté de la pierre taillée... Eh bah tu trouveras moins cher. Ça va, autant le couvre-feu, je comprends. Se trouve sur une porte en pierre, juste à côté d'un trésor. Votre chien vous aboiera le trésor et retournez-vous. Va la garouille. De retour dans l'arène, en manque d'action. Les brutes de votre genre sont un... Mais lâche-moi. Ok, attendez. On dirait, lorsque vous passez à côté des pierres taillées, la garouille se trouve sur une porte en pierre. Déjà le chien il m'a dit que pas de trésor. Et puis je crois que je l'ai sûrement déjà eu. Je crois que je l'ai déjà eu.
Ok, en direction de l'arène, première statue sculptée, le chien bois. Dans le couloir, quand vous devez passer au-dessus de la gare où se trouve sur un pilier. Dans le couloir, quand vous devez passer au-dessus d'une rangée de pics pointus. Oh, il y a un autre. Ah, le couloir de Wesley. Quand vous devez passer au-dessus des pics pointus, la gare où se trouve. Il est où ton couloir? Je connais pas tout, moi. Ah non, c'est la péripatétution ici, je suis pas fan. Je suis pas fan. Y a des trucs ici. Ah, t'as le défi archer. Par contre, valeur immobilière, coco. Ici, t'as toujours le défi à l'arc. Dans le couloir. Attends, je suis le seul qui trouve ça chelou qu'il y a un couloir en extérieur. Au nom de la côte des bandits, tout ça, tout ça. Mais sérieux? Là, je fais tranquille ma vie et toi, tu viens me faire chier. En plus, ça donne de l'XP. Attention. Ici. Ok, attendez, il y a un trésor, il y a des clés et tout. Ouais, t'inquiète, m'en occupe. Je l'ai vu. Je vais relire parce que j'ai pas tout compris. Je si, je les ai. 20, putain. Quand vous êtes passé au-dessus d'une rangée de pique partout. Donc, 10 000 pièces d'or pour une caisse à clé. Dans le couloir, quand vous devez passer une rangée de pics pointus. Putain. C'est vraiment chiant si c'est pas une vidéo, un jeu galère. En plus, je me concentre pas. Vous savez quoi? Allez, on a 13 minutes. Je sens qu'on peut aller faire cette quête principale. Et je regarderai des vidéos. J'irai voir plus précisément un petit peu. Ah, il y a même les clés d'argent proposées, oui, 7 heures. Il y a les clés d'argent proposées. Le truc, c'est que c'est écrit, c'est ça qui est compliqué. Je regarderai. Ok. Merde, je vais quand même mettre mon retour live. Hop. Yeah. Ça fait 40 minutes que je stream. Non. Allez, tiens. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé, ça fait 3 jours qu'on s'est pas vu. C'est toi? Dis donc. Les hommes n'arrêtent pas de parler de toi à longueur de journée. Merci. Qui est cette personne qu'ils demandent? Les héros sont-ils... Quoi? Oui? Tu es pressé? Eh bien, va livrer le sceau là-bas dans la cour des ombres des Marégor et après, on verra. T'es chiant. Qu'est-ce que je dois livrer? Le fait de tenir le sceau vous emplit d'épouvante. Il est lourd et il ne paraît que de rebord coupe les doigts. Bien, brave petite. Je peux la défoncer ou pas? À la cour des ombres. À ciao. Ah, ciao.
Serais-tu par hasard en train de sous-entendre que j'ai les pommettes basses et là? Putain, c'est encore, ça nous pose. C'est moi, il l'a tué. La cour des ombres. Ce sont eux qui ont détruit Oakval. Il y a un grand puits au centre des marécores, avec des tombes. C'est là qu'ils résident. Sois prudente. Cette mission est plus complexe que ce qu'a dit River. Mais putain, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pourquoi? C'est qui, eux? En sortant les deux morceaux dans le champ, on voit l'image d'un gros crabe. Ok. On verra peut-être s'il y a un troisième morceau de croquis. Je crois qu'il y en a quatre, hein, peut-être. Ça peut être intéressant. T'as mis cette arme légendaire de mort. Les étals fermes, ok. Et... faudrait que je trouve du coup toutes les clés et tous les coffres. Il y a sûrement des armes légendaires dans les coffres d'argent. Putain, je t'ai pas vu toi. Attendez. Je sens la présence d'une joueuse de musique. Est-ce possible? De la vraie musique, enfin. Oh, vous jouez admirablement. Continuez. Ça te va? Non, non, non. Si je voulais du bruit, je m'écouterais chanter. Faut qu'arrêter ouvert, c'est méga chaud. J'ai compris. Quelle belle musique. Nice. Voilà, première porte que j'ouvre. Quelle virtuosité, c'est merveilleux. Première porte que j'ouvre. What the fuck, c'est quoi cette ouverture de porte? Ok. On va y aller, hein. Vos priorités, vos capacités de volonté, vos sorcières font gagner en puissance et vos sorts les plus puissants. Ça charge un peu vite. Maison d'hiver, qu'est-ce que tu m'indiquais, petit chien, que tu flippais ta race? C'est encore plus beau. Au niveau de la symbolique, il n'y a jamais eu de neige dans le jeu, et d'un coup, t'as des grands bras de neige qui sont magnifiques. Mais t'as plus cette musique qui marquait encore plus l'esprit. Par contre, t'as un bonus de vitesse. Oula, j'ai flippé ma race. Pire que votre katana et Daichi. J'ai tombé sur les rois fiers de manier. Oh, j'ai flippé ma daronne. Pour une vieille épée pourrie. C'est con qu'on sache pas ce qu'elles font les améliorations, parce que j'ai une amélioration légendaire là, celle de McGregor. Oh, ce passage du méga joli, en mode j'étais content à ça. Ok, on a eu une de 9 portes démoniaques. Bon, pas mal hein. Genre comme si t'avais raterri, genre ça fait bah. Non, c'était pas ça. Ah si, c'est Dragueur. Complimenté.
Bah si, c'était dragueur complémenté. Ok, nice. Par contre, ça a fait quoi? J'en sais rien du tout. Hey! Voilà. Ah, forgeron de Warstone, nouveau travail, je m'en bats la race. Je vais accélérer le pas. Ne don't forget qu'il nous reste gargouille ici. Hein. 3, 1, on a eu celle. Plus qu'une gargouille. Non, il ne reste pas plus qu'une gargouille ici. Si. 4 sur 6, il nous en reste 2. Ok. Hop. Et... Oh, il y a un coffre là-bas, bougez pas. Mais peut-être si on regarde bien la falaise, une gargouille. 20 clés. Coffre à 20 clés là, si c'est pas 10 000 balles, ça peut être quelque chose d'intéressant. L'amélioration de dévastation. Augmente votre adresse pour la manœuvrer, vous permet d'infliger plus de dégâts. Pour appliquer sur une arme avec des emplacements vides. Le truc c'est que j'ai déjà des putains d'armes donc... Objet. Amélioration. Coup incandescent. Amélioration de dévastation. Porte-bonheur, carrière, machin. Trophée. Le fils de coffre. D'hiver peut-être? Ok. Amélioration du fardeau d'or. Vous trouvez l'or sur chacune de vos victimes, mais vous infligez moins de dégâts, mais vous en subissez plus. Profitez. Là, non. Au moins on les a trucs ici. C'est une chose qui vous rend plus sexy sans avoir besoin de chirurgistique propre. Après. Mais les flammes mystiques marquent plus facilement votre peau pour appliquer l'amélioration. Ok. Votre science pratique est étudiée, beaucoup d'expérience pendant un court bas, mais votre dévouement pour votre santé se mise dans son genre. Vos sciences pratiques étudiées du combat vous rapportent plus d'expérience pendant un court bas. C'est bien ça. À chaque coup, vous absorbez la santé de vos ennemis. C'est bien ça. Vous infligez plus de dégâts et subissez moins. C'est bien ça. Augmente votre adresse pour la meilleure, permet d'infliger. Ok. C'est bien son féroce vous permet de dénicher toute l'or sur vos victimes pour en profiter. Ah, main d'or là. Tu peux te faire aller 10, 20 pièces d'or par victime, sachant que tu peux tuer 50 voire 100 creux. 20 fois 100, ça fait déjà 2000, hein. Ah bah tu craches pas dans la soupe. Ou sur Stéphane Bern. Hein? Qui a dit ça? Ok. Bon, il y avait trois hommes machin là. M'en fous. Et du coup, je sais même pas les améliorations que j'ai sur mon épée. Attends, on va faire les invos. Pendant que ça lag. J'adore ça, ce one shot, ce machin. On bourdit. On pète les 2-3 connards qu'il y a sur le chemin. Si tu m'indiquais un truc en haut, je suis grave vénère. Il m'indiquait un truc en haut. Non? Bouge pas, j'arrive. Ok, bouge pas, c'est bon, je suis là.
Ok, dis-moi, je te creusais où? Alors ça, il y avait deux, trois connards sur le chemin. Oui. Ok, hop. Sérieux quoi. Fieux saumon dégueulasse, mais cassez-vous. Mais bon. Ok, bah les hommes creux grands, hein, ils rapportent de l'XP, faut pas croire. Ça m'aurait pas étonné qu'il y ait une garouille sur un truc ici, une connerie comme ça. Ouh, le nom de tunnel de la mort. Ah, et du coup, on peut aller ici. On pouvait pas y aller la dernière fois. J'aime pas bien ça. Cours des ombres. Ok, les trolls ne peuvent pas être blessés quand elles sont enchaînées lorsqu'elles sont exposées. Si elles sont cachées pour la fuite, attendant une meilleure opportunité, je présente. Bizarre cette manière de combattre les trolls, mais c'est nouveau, c'est original, c'est pas mal. J'entends une meuf chialer. Et peut-être une gargouille? Non. Toujours à la recherche de mes gargouilles, moi. Oui, allô? Oui? 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 Ça vous dérange si je vous rappelle juste là, je finis de manger, désolé. Oui? Oui, parfaitement. D'accord, je vous remercie. À tout à l'heure. Ah bah, je suis désolé, mais je tourne, madame. C'était ma conseillère Pôle emploi pour me dire de... C'est là qu'il parle dans le couloir, peut-être? Toi, je l'avais. T'as me saoulé. Ok, ouais, non, c'était ma conseillère pendant pas. Elle devait m'appeler demain et elle m'appelle là maintenant. Oui, j'entends chialer, madame. On est passé à 30, gargouille. Qu'on ait double canot au truc. Où tu la sens la banshee là? Éliminer les ombres. Ok. On entend toujours chialer la dame là. Non, bah. J'espère qu'elle m'aidera la dame de Pôle emploi. Je l'ai appelée en disant bon, j'ai bien trouvé un travail. Donc on trouvera. Ah oui, putain. Et les ombres sont déjà là parce que moi dans le 3 on a entendu parler de ces ombres. Ok. Fou. Je t'ai eu ton sale coup. Non, mais t'es pas obligé de faire un ralenti à chaque fois. Oh bah c'est chiant.
Allez, on charge un petit niveau 4. Hop, ça se charge vite. Ça fait des dégâts. Aïe. Oula, tu peux l'XP. T'as frappé le chien? Chien, soigné. Putain, il a frappé le chien, la bâtarde. Et puis t'as toujours l'autre qui est chial, là. Ok. J'arrive. Je bondis, j'arrive. Ça fait meilleur que tu chiales. Bonjour. Ah bah ouais. Aidez-moi. Avec mes amis, on lisait un passage de ce très vieux livre et on y a découvert. Tu chiales plus d'un coup, c'est chelou. Une lumière très vive est apparue et je me suis réveillée ici. Où sommes-nous? Oh, j'ai si peur. Je veux rentrer chez moi. Ok, je trouve un propriétaire du sommeur dans le Marigord. Oui. Bonjour. Ouf. Ouh, j'aime pas bien ça, c'est flippant. Et bienvenue. Ouais, bah oui. Gauche, milieu, gauche, droite. L'une d'entre vous porte. Oui. Oui. Pour que les rois des voleurs puissent garder leur ciel. C'est sa bonté pour que le roi des voleurs puisse garder les ciels. Et voici le marché que nous proposons. Les règles doivent être respectées. Nous prendrons uniquement la personne qui porte le son noir. Je suis désolé, connasse, madame. Je vous en prie, je veux juste revoir mes parents. Tiens. Quoi? Tiens. Allez, salut. Allez, au revoir. Allez. Salut, je m'appelle François. Je suis clairement toi. Non, mais c'est bon, moi j'ai fait mon choix. Elle clignote, elle clignote, elle clignote, elle clignote. Ok, elle est vieillie. Où t'as pris un coup de vieux? Et il le sait. Mais tu es encore en vie. Bah oui. Mais tu es encore en vie et c'est le plus important. Retourne voir River. Ok. Ah, faut enclencher. Ouais, mais je... moi j'enclenche la technique de la TP. TP, Bluestone. Mais la côte des bandits, je vois même pas c'est quoi. Honnêtement, Boston, port de mer ou des marécages, manoir. C'est bien, c'est qu'il y a 4 zones de TP là à Bluestone, mais c'est pas si grand. Hein. Le pire, c'est que ça mérite pas. Peut-être une 2 zones de TP, genre la route et la plage. Comme ça, puis après tu te débrouilles pour monter, c'est pas grand. J'imagine que ton retour chez River va être mémorable. Mmh. Quand on aura River, le chemin nous conduira droit à Lucien. T'inquiète. Il faudra aller jusqu'au bout. Si tu as des choses à terminer, fallait me dire, je suis allé le voir.
Bon, bah, non, je pense qu'on va s'arrêter là. Il nous reste des choses à faire. Je referai l'arène, c'est sûr. Je referai l'arène. J'aimerais bien finir. Donc, la quête de Caravan, les esclaves. L'archéologue, bon, bah, je sais pas trop où c'est. Chantier, j'aimerais bien m'en sortir aussi. Gargouille, j'aimerais bien tous les faire. Sacrifice, j'aimerais bien avoir les demi-sacrifices. Et puis après. Attaque de Bloodstone. On a notre petit mignon. Il y a du sol chez qui? Ouais, Balek. Et qui nous en reste hein, quand même. Bref, je vous fais des bisous. Hein. Il nous reste des clans d'argent. Il nous reste plein mal de trucs. Aucune, il nous reste deux gargouilles et une clé. Trois clés, une gargouille. Une clé, deux gargouilles. Deux clés, quatre gargouilles. Une clé. Deux clés. Trois clés, quatre gargouilles. Une gargouille, quatre clés. Je dis, il reste des clés. Deux gargouilles. Et ici, une gargouille. Et deux clés. Ça devrait aller. Bon, allez, je vous fais des bisous. Fais des bisous, sauvegarder et quitter. Bisous YouTube.